Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes réunis dans ce lieu pour louer, adorer le Seigneur, proclamer son nom. Et comme cela a été annoncé ultérieurement, notre culte sera un petit peu raccourci en raison bien de l'Assemblée Générale de notre association culturelle qui se déroulera à l'issue de ce culte. Donc pour vous, internautes, ne soyez pas surpris si, eh bien, aux alentours de 11h, eh bien, vous n'aurez plus de connexion, le culte sera terminé, mais merci déjà pour votre présence. Pour débuter ce culte, je vous propose quelques annonces, ensuite on laissera la place au groupe de louanges. Je vais mettre la suivante, merci. Donc, petit rappel pour aujourd'hui, jeudi qui arrive, l'étude biblique, notre frère Jonathan Guyot, eh bien, comme c'est le printemps, nous parlera de plantes et cette approche comparative du figuier pour se laisser instruire. Donc, vous êtes invités jeudi à 19h ici même pour écouter cette étude biblique. Rappel, le 21 avril, nous avons l'habitude, comme vous le savez, année après année, eh bien, de pouvoir mettre à disposition et à la vente eh bien, vos semences. Bon, j'espère que ça pousse, que vous bichonnez vos plants et elles seront donc mises en vente le dimanche 21 avril et tout cela bien au profit de l'association qui sera ensuite dirigée eh bien là où il nous semble opportun de pouvoir le faire. Merci déjà d'avance à vous tous qui préparez vos plants et qui mettez tout ça à disposition et vous aurez le loisir bien sûr de pouvoir acheter aussi d'autres plants que ceux que vous avez faits. Voilà la diversité. Merci. Rappel également, le 21, nous avons souhaité avec les églises chrétiennes de Lannion pouvoir offrir à tous les chrétiens la possibilité de se retrouver à nouveau. Nous avons l'habitude de nous retrouver au mois de janvier autour d'une soirée de prière en commun. Et là, dans un autre cadre, puisqu'il s'agit d'une petite promenade fraternelle dans Lannion, avec un petit parcours qui est à la portée de tous, bien sûr. Eh bien, c'est l'occasion de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger, de pouvoir faire connaissance avec d'autres chrétiens eh bien, de Lannion, avec un rendez-vous donc, au Parc Sainte-Anne, comme c'est indiqué, à 14h30, et puis un retour à ce même parc à 16h30 avec un goûter tiré du sac. Donc, pensez à apporter chacun votre goûter pour cette balade et on compte sur vous pour votre présence. Rappel, vendredi 26 avril, à la salle de conférence Sainte-Anne, nous aurons notre dernière conférence qui tourne autour de la fête de la vie et nous aurons donc comme thème les addictions avec deux invités qui sont des invités aussi qui maîtrisent bien le sujet et qui pourront donc apporter des informations. Donc invités, il y a des prospectus qui sont à votre disposition, des affiches aussi. Vous pouvez les mettre à côté de chez vous, les commerces qui sont peut-être à côté de chez vous. N'hésitez pas eh bien, à communiquer aussi cela sur les réseaux, vos propres réseaux, et à donner des informations auprès de ceux et celles que vous côtoyez. Et puis, notre Assemblée Générale pour l'Église aura lieu au mois de juin, le 2 juin, également donc après le culte à 11h. Et c'était la dernière information. Merci. On laisse la place au groupe de louanges. Soyez bénis et à tout à l'heure. Merci. Voilà, nous voulons nous saluer tous et chanter ensemble un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Amen. Dans tes parvis, au mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis, au mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs.
frères et sœurs, assemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Parmi nous, d'un prix l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit mon cœur. Un jour dans tes parvis, pour mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt. Sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par le chemin d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par le chemin d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Par une chaîne d'amour.
nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur est celui qui nous lie par son amour, par sa grâce. Ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Oh, Seigneur, sommes-là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes-là, tous réunis devant toi. Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant.
ouverte que tu nous donnes, ce libre accès auprès du Père. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ton œuvre. Je te loue, Seigneur, pour la croix. Et je te dis merci, ô Père, d'avoir donné ton Fils pour nous. Que la gloire te revienne, Seigneur, et que l'honneur soit à toi, au siècle des siècles. Amen. Merci, Jésus. Amen, Seigneur, merci pour cette route nouvelle. C'est vrai, Seigneur, que nous étions comme ces disciples d'Emmaüs, avoir entendu parler de toi. Mais Seigneur, nous, maintenant, nous te connaissons. Nous savons qui tu es. Nous savons, Seigneur, que tu as nos vies entre tes mains. Et que nos vies, nos cœurs, sont gravés sur ton cœur. Nous l'entendons parce que c'est vrai, nous avions un cœur de pierre, mais tu as changé notre cœur de pierre en chair, afin d'aimer, afin de comprendre, Seigneur, tes bienfaits. Nous t'adorons parce que tout cela, c'est ta grâce, c'est ton amour pour moi, pour nous. Béni sois-tu, parce que tu as vaincu. Tu es vivant et tu reviens bientôt. Sois loué dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu. Seigneur Jésus, un jour dans tes parvis, Seigneur, Seigneur, je veux te bénir et te louer, Seigneur, parce que, Seigneur, si les choses étaient à recommencer, combien j'aimerais, Seigneur, t'avoir connu encore avant, Seigneur. Oui. Même si j'étais jeune, Seigneur, même si je n'avais que 17 ans, Seigneur, mais combien j'aurais aimé te connaître de toujours, parce que tu es ce Dieu si grand, merveilleux, si puissant. Oui. Tu es, Seigneur, oh Jésus, les mots me sont si faibles, Seigneur, pour dire qui tu es. Mais Seigneur, entends, Seigneur, mon cœur, entends mon âme te louer ce matin. Entends, Seigneur, mon âme te dire merci. Merci pour ma vie, merci pour le salut de mon âme. Merci pour qui tu es, oh Jésus. Seigneur, nos mots sont si faibles, Seigneur. Oh, mais ton nom est si grand. À toi soit la gloire, Jésus. J'ouvre ton souffle. Oui, c'est à toi que nous rendons grâce, Seigneur Jésus. Car c'est à toi qu'appartient toute la gloire, la puissance et l'honneur. Merci parce que tu nous as rachetés par ton sang précieux. Merci parce que tu n'es pas resté au tombeau. Tu n'es pas, la mort n'a pas pu te retenir. Et tu es vivant. Et tu es vivant au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta mort qui nous donne la vie. Par ta résurrection, Seigneur, tu nous donnes la vie. Seigneur, parce que tu nous portes dans ton cœur. Seigneur, louange à toi, que ce culte te revienne, toi, à qui appartient toute la gloire et la puissance. Et reçois nos actions de grâce et de louange. Amen. 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 Oui, au Père, nous voulons bénir ton nom, car tu es vie, car tu es lumière. Et ta lampe éclaire notre chemin. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous discernions ce faisceau de lumière que tu mets devant nos pas et que nous puissions goûter à ta bénédiction, à ta visitation, que nous puissions, guidés par ce faisceau de lumière, choisir ce qui est le meilleur pour nous et que notre reconnaissance remonte au trône de la grâce et que tes bienfaits retombent sur l'assemblée qui est ton corps, qui est ta maison, Père éternel. Que chacun en soit fortifié, que chacun en soit étonné de l'amour que tu déploies pour tes enfants. Que tout honneur, toute gloire t'en revienne, Père. Donne-nous de goûter à l'essence de la vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, Seigneur, je veux te louer ce matin. Je veux vraiment t'adorer de mon cœur, Seigneur, parce que tu es venu à notre rencontre. Tu es venu, Seigneur, frapper à la porte de nos cœurs, te révéler comme celui qui nous aimait, Seigneur, qui nous aime. Merci, Père. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et ce matin encore, Seigneur, tu es là avec nous, Seigneur. Tu es là pour nous révéler ton amour. Tu es là pour révéler, Seigneur, toute l'immensité, Seigneur, de cette gratitude que tu nous accordes, Seigneur. Nous ne méritons rien, je ne mérite rien, Seigneur. Mais tu me donnes par ton amour, Seigneur. Je veux te remercier pour la grâce.
pardon. Je te remercie pour ta miséricorde et ta compassion. Je te remercie pour ta fidélité pour ma vie, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Oui, c'est vrai, Seigneur, je ne te connais pas encore beaucoup, mais ce que je connais de toi, Seigneur, déjà réjouit mon cœur. Je veux, Seigneur, encore mieux te connaître. Je veux encore, Seigneur, mieux m'approcher de toi. Je veux encore mieux cerner qui tu es, Seigneur, parce qu'il y a tellement de belles choses devant toi, tellement de choses nécessaires à mon âme, à ma vie, Seigneur, que je ne veux pas passer à côté. Seigneur, je veux encore te dire ce matin que tu es précieux pour moi. Je veux te dire ce matin que je me sens aimé de toi et que tu aimes, Seigneur, mes frères et sœurs, que tu aimes ton Église, que tu nous aimes tous ensemble, Seigneur. Je veux te louer et te bénir pour cela. Alors reçois ma reconnaissance ce matin. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir notre louange et notre adoration. Seigneur, je t'aime dans le nom de Jésus. Amen. Nous reconnaissons, Seigneur, que le privilège que nous avons de pouvoir t'appeler Père, de pouvoir te tutoyer, de pouvoir dire que Jésus est notre ami, est une grâce qui ne vient que de toi et qui nous a été accordée que par toi. Oui. Seigneur, nous regrettons d'être touchés par le péché. Nous regrettons, Seigneur, que notre nature humaine nous ramène à ce péché. Mais nous savons qu'auprès de toi, par la repentance, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés. Alors Seigneur, c'est aussi l'objet de ce culte de reconnaissance pour cette grâce que tu manifestes depuis des milliers d'années à tous ceux et celles qui veulent s'approcher de toi. Merci d'avoir envoyé le Christ et Jésus ton Fils. Merci parce que tout a été accompli et qu'il nous suffit simplement de nous tourner vers lui. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Reprends gloire. Gloire, gloire, gloire.
Bonjour à chacun, à ceux que je n'ai pas salués, soyez les bienvenus. On a beaucoup de joie à élever, louer le Seigneur, avec aussi de telles cantiques qui élèvent notre Dieu, qui élèvent notre Seigneur pour lui chanter gloire. Ce matin, dans les quelques minutes que nous avons pour partager la parole de Dieu, hier matin, nous étions avec le groupe pour la formation N1 et le thème, c'était l'homme. Ça a beaucoup de choses à dire, hein, l'être humain, la race humaine. Et on a pu partager les uns et les autres sur ce que la parole de Dieu nous disait. Et il nous faut nous rappeler, me semble-t-il, que nous ne sommes pas sortis du chapeau comme cela, comme un magicien qui sortirait un lapin de son chapeau, mais que derrière, il y a une vraie volonté, la volonté divine, avec une marque particulière qui est la nôtre, c'est d'être à l'image de Dieu. On est à l'image de Dieu. Et quand on connaît Dieu, alors on ne le connaîtra jamais dans toute sa plénitude, en tous les cas ici-bas, mais de ce qu'on peut connaître de Dieu, ben on se dit c'est pas mal d'être à l'image de Dieu finalement. Voilà. Et de notre côté, on se dit ben, il y a encore du travail. En tous les cas, je parle pour moi. Mais ce matin, je voulais quand même aborder ce thème rapidement sur le fait que nous sommes à l'image de Dieu. Et n'en déplaise à certains, l'homme n'est pas un animal. Même un animal évolué, si on peut dire les choses ainsi, pas du tout. Et même si parfois il semble que l'homme se comporte comme tel, hein, on pourrait en douter. Néanmoins, l'homme n'est pas un animal. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, est aussi le livre qui révèle l'homme. Oui, la parole de Dieu révèle Dieu, la personne de Christ et son œuvre, mais elle en profite aussi. Et parce qu'il y a l'histoire de l'homme qui vient avec l'histoire du Seigneur, eh bien, révèle l'homme, et non seulement révèle l'homme devant la réalité de ce qu'il est sur cette terre, mais il révèle l'homme aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que c'est bien aussi d'avoir un vis-à-vis, de savoir aussi qui est l'homme. Alors on se connaît, mais il y a des choses que la parole de Dieu a envie aussi de nous partager. Et la parole est comme ce miroir, eh bien, qui va dévoiler finalement notre identité intrinsèque, ce que nous sommes. Alors parfois on n'a pas envie que les choses se sachent, hein, mais tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Et il a des choses bonnes à nous dire quant à cette identité qui est la nôtre en tant qu'homme à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et elle nous montre les raisons aussi, la parole de Dieu, nous montre aussi les causes, les raisons de la déchéance humaine, parce que l'homme n'a pas été créé comme il est aujourd'hui. L'humanité n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, ce n'était pas dans la pensée divine. Et ce matin, rapidement, j'aimerais voir avec vous quelques éléments mineurs, et c'est juste un survol, de qu'est-ce qui fait en fait que nous sommes à l'image de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit, donc c'est déjà forcément pas une image physique. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous propose une première lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Alors voyez dans l'homme l'être humain, d'accord? Il créa à l'image de Dieu, il le créa, pardon, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans ce texte, qui est une des paroles les plus extraordinaires pour nous, nous avons notre origine là. Nous avons notre source. Et je disais hier que combien
eh bien, ceux et celles qui n'ont pas l'origine de leur vie terrestre, ça peut créer des troubles, ça peut être compliqué, et qu'il y a cette quête normale, logique, légitime, de savoir d'où est-ce qu'ils viennent. Et au-delà de l'aspect terrestre, la parole de Dieu, là, nous montre quelle est notre origine, quelle est notre source, d'où est-ce que nous venons. Dieu créa l'homme à son image. Mais en quoi est-ce que l'homme, finalement, est à l'image de Dieu? Lorsqu'on sait qui est Dieu, lorsqu'on connaît un petit peu Dieu, lorsqu'on connaît ses attributs, et on sait que Dieu donc est saint, que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est éternel, que Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout, que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent partout en même temps. Quand on sait aussi qu'il est immuable, qu'il ne varie pas d'un seul iota, alors quand on considère tout cela, on se dit, où est mon image? Quelle image je porte? Il n'y en a presque aucune qui pourrait me correspondre parfaitement, n'est-ce pas? Quand on connaît Dieu, on peut se poser cette question, mais alors, en quoi l'image de Dieu peut être en moi, moi, l'homme, le petit homme, en quoi l'image de Dieu peut être dans l'humanité? Et pourtant, c'est une affirmation biblique. Et nous ne devons pas en douter, parce que c'est Dieu qui nous l'a dit. Alors, on va essayer de tirer quelques éléments de connaissance pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Là, nous avons des éléments qui nous amènent à comprendre un petit peu, tout au moins sur un élément déjà, eh bien, en quoi nous sommes l'image de Dieu. Ce texte mentionne là une autorité. Dieu donne de l'autorité à la race humaine. Et quelle est l'autorité? Elle est simple, il lui demande et il lui dit qu'il va dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur les reptiles qui rampent aussi sur toute la surface de la terre. Dieu va conférer une partie de son autorité à l'homme. En cela, déjà, nous sommes à l'image de Dieu. Alors, Dieu ne nous a pas tout donné en termes d'autorité. Heureusement, le peu qu'il nous a donné, vous avez vu le résultat. Vous connaissez le résultat, c'est une catastrophe. Néanmoins, il nous a donné une autorité. Il nous a demandé, et il nous donne l'autorité pour le faire, de gérer ce qu'il nous a donné. Après, la gestion, c'est autre chose. Et ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que Dieu va conférer cette autorité après avoir dit qu'il nous crée à sa ressemblance. À sa ressemblance. On peut en déduire qu'il s'agit là vraiment, si on est à la ressemblance de Dieu, et que Dieu nous confère cette autorité sur toute la terre, eh bien, il est facilement déductible que, en réalité, la vocation de l'homme, tout au moins en partie, eh bien, c'est de gouverner la création. Elle nous appartient et Dieu l'a faite aussi pour nous. C'est de la gérer, c'est de s'en occuper, c'est de s'en préoccuper et de surtout pas, bien sûr, la négliger. Et Dieu nous a donné, parce que nous sommes à son image, c'est fait partie de son image, eh bien, la possibilité de pouvoir justement non seulement dominer, mais dominer, ça ne veut pas dire détruire. Dominer, c'est s'en occuper, c'est gérer, c'est en prendre soin, parce que c'est la création de Dieu.
à l'homme, Dieu a donné l'image de son autorité. Quelle grâce! Nous sommes à l'image de Dieu, en partie parce que Dieu nous a donné aussi une partie de son autorité. Deuxième point, Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans ce texte, la parole de Dieu mentionne la présence du souffle de vie en l'homme. Alors c'est très intéressant de lire cela, parce que si nous réfléchissons bien à comment Dieu a créé l'homme, ça nous est dit qu'il a tiré l'homme de la poussière. À ce moment-là, l'homme était inerte. L'homme était sans vie. Et qu'est-ce qui a généré la vie en l'homme? C'est le souffle de vie. Et c'est très intéressant de voir que la vie qui est en nous n'est pas le résultat de la création de la poussière, mais la vie qui est en nous, c'est le résultat du souffle qui vient de Dieu qui nous a été donné. Et là, c'est très intéressant parce que nous avons quelque part la vie qui est en nous, eh bien, c'est l'image de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est ce que Dieu est. Il nous a donné de son souffle pour que nous soyons vivants. Ce souffle est celui du Créateur. Ce n'est pas un vent qui passe par là. C'est le souffle du Créateur. C'est la présence de Dieu. C'est la divine étincelle de Dieu qui l'a soufflé en nous pour que nous devenions des êtres vivants. Donc c'est pas la poussière qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ce souffle du Créateur. Notre corps et à la mort, eh bien, il retournera à la poussière. Retourne à l'origine, mais le souffle que Dieu a donné demeure. Et ce souffle de vie émane de Dieu lui-même et il nous donne la vie, il nous donne sa vie. Nous sommes vivants, pas simplement dans le fait de respirer, mais dans le fait que notre être est animé. Notre être peut aussi communiquer, notre être peut aussi penser, avoir une communion avec son Créateur. C'est le souffle de vie, c'est une partie de l'image de Dieu qui est en nous. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que nous soyons croyants ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas une question de foi ou de pas foi, c'est une question intrinsèque de la création de tout homme et de toute femme. D'une manière indélébile, l'homme, les individus, la race humaine appartient à Dieu. Il y a une partie de Dieu. Les hommes sont faits à l'image de Dieu. C'est le fondement, c'est la source, c'est la base. Le reste, c'est autre chose. Mais nous sommes à l'image de Dieu. Et bien sûr, mes frères et mes sœurs, lorsque nous considérons ensuite tout cela au regard de la croix et de Christ, alors ben, ça prend une autre dimension. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette vie, eh bien, elle nous propulse, elle propulse l'homme véritablement dans cette relation intime avec Jésus-Christ, parce que c'est étroitement lié. Parce que Jésus était déjà à l'origine de cette création. Faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas « je fais », c'est « faisons ». Il y a un pluriel. La Trinité était déjà là à l'origine. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a ce lien étroit avec le Seigneur Jésus. Et quand nous considérons l'image que nous sommes, l'image de Dieu en nous, à la lumière de la croix, alors... Là, ça prend toute sa dimension. L'image de Dieu en l'homme est non seulement
un état originel, mais aussi elle a un objectif. Un objectif qui est en liaison, en relation étroite avec le Fils de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 15. Et nous lirons dans la suite Romains 8, 29, qui fait suite. 1 Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, il est parlé bien sûr de là, de Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Nous avons là un point de fondation. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez le lien qu'il y a avec le Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Être à l'image de Dieu, avoir ce souffle de vie, nous amène directement à la personne de Jésus-Christ. Et quand nous réalisons, quand nous avons fait ce pas vers le Seigneur, que nous avons considéré la croix, que nous sommes repentis, que nous sommes nés de nouveau, waouh ! Alors là, l'image de Dieu prend toute sa dimension parce qu'elle s'incarne véritablement dans le Fils. Nous avons une place de choix, mes frères et mes sœurs. Une place de choix, une place unique. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous sommes les seuls êtres vivants à avoir cette prérogative, cette image de Dieu n'existe que dans la race humaine. Elle n'existe nulle part ailleurs. Quelle faveur, quel privilège, quel cadeau Dieu nous fait. Et parce que l'homme est à l'image de Dieu, que Dieu est une personne, alors l'homme est une personne, et non pas un animal. Il est une personne. Il n'est pas quelque chose. Il est une personne. Et il est capable de se connaître librement, de donner et de se donner. Librement aussi d'entrer en communion avec d'autres. Et premièrement, avec Dieu lui-même, avec son Créateur. Il est appelé par grâce à une alliance extraordinaire avec son Créateur, ce que Dieu a toujours désiré. Et il va lui offrir cette réponse de foi et d'amour que nul ne peut donner à sa place. Il n'y a aucun être vivant sur terre qui ne peut donner cette réponse au Créateur, sinon les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes, parce qu'ils sont faits à l'image de Dieu. En tant que chrétien, mes frères et mes sœurs, et je terminerai, il faut rappeler notre conviction que l'homme n'est pas surgi du hasard. Mais dans cette grande chaîne de la création des espèces, il n'a pas été la conséquence d'un élan, d'une concomitance de deux éléments qui se seraient confrontés. Non, l'homme est vraiment créé par Dieu et à l'image de Dieu. Et l'homme est apparu sur terre comme le fruit de la volonté de Dieu. Le fruit de la volonté de Dieu. L'être humain est créé par Dieu dans tout ce qu'il est de plus spécifique. Il est supérieur, oui, à tous les êtres vivants. Et ce n'est pas de notre prérogative, c'est de la prérogative divine. Il nous a donné autorité sur toute la terre. L'homme est corps, mais il est aussi esprit. Et il possède la conscience, la liberté, la capacité d'aimer, ce qui représente, me semble-t-il, le point culminant de ce que Dieu souhaite. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. Et que
le point culminant de l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est que l'homme, créé à l'image de Dieu, puisse véritablement être à sa ressemblance. Et cela, c'est dans notre capacité, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Alors, mes frères et mes sœurs, rappelons-nous toujours que oui, nous sommes à l'image de Dieu et que Dieu nous a donné ce dont nous avons besoin pour avancer, marcher, en ayant les yeux portés sur celui qui est le rémunérateur de la foi, la personne de Jésus-Christ, que le Seigneur nous bénisse. On va prier et on laissera ensuite la place, eh bien, au service de la Sainte-Seine. Seigneur, je te bénis pour ton œuvre. Je te bénis pour ta création. Et je te bénis, Seigneur, pour qui nous sommes. Oui, des êtres imparfaits, mais avec ton image en nous. Seigneur, merci de nous rappeler encore ce matin qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons et où est-ce que nous allons. Seigneur, oui, tu l'as dit, tout est accompli. Tu as tout accompli pour nous et je te rends grâce, Seigneur. Je veux aussi te bénir, Seigneur, et te dire merci pour l'occasion qui est donnée encore dans ces instants de partager, Seigneur, ce temps de la scène. Merci pour tes faveurs et merci, Seigneur, d'être là aux côtés de chacun. Que ton nom soit glorifié. Amen.